Ils sont arrivés ensemble au château de Damary-les-Lys, ils repartent ensemble. En effet, Pierre et Julien sont tous les deux finalistes de la Star Academy 2023. Lequel des deux remportera le titre de grand gagnant? En attendant de le découvrir, place au sondage de la rédaction de purepeople.com. Notre grand gagnant est. La grande finale de la Star Academy 2023 se tiendra samedi 3 février 2024, sur le plateau de TF1. Nikos Aliagas assistera ainsi à la victoire de l'un des deux finalistes, Pierre ou Julien. Chacun a ses forces et ses faiblesses. À 24 heures de l'annonce, le public n'est pas le seul juge. En effet, la rédaction de purepeople.com a également voté, et désigné son grand vainqueur. Star Academy 2023, Pierre, grand gagnant de la rédaction de purepeople. Comme tous les membres de la rédaction du site ont livré leur ressenti puis voté. Difficile de départager les deux finalistes de cette édition. Mais il n'y aura qu'un seul gagnant. Et le grand vainqueur pour purepeople.com n'est autre que Pierre. Le jeune chanteur de 21 ans a été élu à 73%. De son côté, Julien récolte 27% des voix. S'y estie donc une victoire écrasante pour le grand complice de la Belge Elena. Les votants ont leur raison. Pour certains, Pierre a l'étoffe d'un véritable artiste. En plus de sa voix exceptionnelle, il compose, joue de la guitare et même du piano. Et alors qu'il est encore en compétition dans la Star Academy 2023, son titre Ce Uxcon était cartonne déjà. Elle est magnifique ta chanson, elle est terrible. Je la aimais vraiment beaucoup. Tu as un single. Si esti super bien écrit, s'était étonné d'Adjou à l'écoute de son interprétation lors de sa visite à Damary-les-Lys. Enfin, malgré ses coups de mou, liés à son état de santé détérioré, Pierre reste toujours motivé. Star Academy 2023, Julien, chouchou du début détrôné par Pierre de son côté, Julien n'a pas séduit une partie de la rédaction et finit en deuxième position. Mais quelques-uns ont voté pour lui. Le jeune homme de 24 ans s'est imposé notamment grâce à sa voix puissante. Et même si Pierre a une identité bien à lui, Julien a aussi ses points forts, notamment dans l'interprétation. Rappelons aussi que Julien a rapidement été le chouchou des téléspectateurs. Son allure de beau gosse, ce côté bon élève doué. Il a tout pour aller au bout de l'aventure. Mais pour les équipes de purepeople.com, le choix est fait et le gagnant est Pierre qui, même s'il ne remporte finalement pas la victoire sur TF1, aura quand même gagné le cœur des Français, et de 73% de la rédaction. Just need some